Eh bien, salut à toutes et à tous, Lame Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Quelle journée incroyable, quelle journée exceptionnelle pour tous les amoureux, bien évidemment. C'est l'occasion de plein de choses, voilà. Aujourd'hui, pardon, excusez-moi, vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Euro Truck en solo, et ça me fait très bizarre. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents des vidéos convoi multijoueurs. Je pense que c'est un rendez-vous qui va revenir vraiment de manière hebdomadaire, en tout cas très régulièrement. Et j'espère que vous kiffez, parce que je pense sincèrement que c'est vraiment ce qui va nous attendre pour les prochaines vidéos, pour l'avenir de la chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai de moins en moins de temps pour jouer, et j'ai de moins en moins l'envie surtout de rouler sur Euro Truck, pour être très honnête avec vous, puisque je fais ça toute la semaine dans la vraie vie. Pour des raisons évidentes, j'ai pas forcément envie le soir de... Je veux juste me coucher, tranquillou pépouze, et voilà. Donc ça fait que une fois dans la semaine, on se retrouve avec les copains, Turbo Transport, L7C Fox, My Godness, Seb, et on se fait un petit convoi, et ça fait plaisir, et du coup ça fait des petites vidéos pour la chaîne, donc j'espère que vous kiffez. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, vidéo solo sur Euro Truck pour la Saint-Valentin, puisqu'on a un événement World of Truck, évidemment l'événement Hauling Earth. Alors vous pouvez le constater, je suis à 0 sur 14, la vidéo sortira à la Saint-Valentin, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est 5 jours avant la Saint-Valentin. Donc l'événement, c'est quoi? C'est tout simplement faire 14 livraisons de cadeaux pour la Saint-Valentin. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour votre Valentine ou votre Valentin comme cadeau. Moi, je vous dirai juste après mon cadeau pour ma Valentine. Voilà, alors il n'y a pas d'histoire de combien de kilomètres faut faire, parce que souvent les missions World of Truck, faut faire 200 km minimum pour que ce soit comptabilisé. Là, il n'y en a pas, donc ma foi, vous faites juste 14 livraisons, et à la fin, vous allez gagner un superbe coussin pour votre cabine avec un cœur, et une superbe rose que t'accroches en haut, là, sur, juste ici, là, regardez, bah, à la place de cette planète Terre, juste ici, voilà, et bah, vous pouvez mettre une petite rose. Et l'événement de la communauté, s'il y a 600 000 livraisons qui ont été faites par tout le monde, et vous compris, et ben on gagnera... Ah bah non, justement, c'est ça qu'on gagnera, la rose, je crois. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est formidable. Alors, merde! Du coup, les amis, aujourd'hui, on est à Rijeka. Enfin, à côté de Rijeka. Non, on est à Rijeka, pardon. On est à Rijeka. Et là, vous vous dites, même Colo, dans la dernière vidéo, t'étais, je crois, on était vers Innsbruck, là-haut, si je dis pas trop de bêtises. Tout à fait. Tout simplement parce qu'en fait, donc la vidéo qui sortira en fin de semaine, là, samedi, c'est la deuxième partie du convoi qu'on a fait avec Fox, Miss, etc. Et on est allé, on a fait la route de Klagenfurt, Am Wörthersee, etc. Donc là, je suis à Rijeka. Ça va faire un faux raccord, puisque dans la prochaine vidéo, on sera ici. Voilà, donc là on est là, on est à Rijeka et on va aller à Koper. Comme ça on va découvrir encore ce dernier endroit qu'on n'a pas encore découvert des West Balkans. Et du coup on va se faire cette fameuse livraison de la Saint-Valentin. Voilà, ça régale. Hop, hop. Mince, j'avais déjà pas le frein de parc, ça commence. On est parti. On va chercher ça. Il est 6h du matin. Ça régale. On est parti. Il fait beau, le ciel est bleu, le soleil se lève. Ça fait plaisir, et moi je vais essayer de me réhabituer tranquillement à conduire un semi. Bon, là je suis en tracteur solo, mais voilà. C'est toujours, franchement je trouve ça super intéressant, je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, mais le fait de conduire toute la semaine un porteur et sur Euro Truck conduire des semis, franchement c'est trop cool, parce que ça permet vraiment de pas perdre la main. Il est fou lui. Ça permet vraiment de pas perdre la main et de savoir manier les deux, parce que c'est vraiment deux conduites différentes quoi. Et donc bah, c'est vraiment cool. Parce que oui, juste petite anecdote pour ceux qui voudraient savoir un petit peu. Vous savez qu'à la base, j'étais en train de passer le permis super lourd. Vous savez, il y a le permis C et il y a le permis CE. Le permis C, c'est ce qui me permet aujourd'hui de travailler, de conduire en porteur, camion porteur. Le permis CE, j'ai fait la formation, d'accord? Et j'ai passé le plateau. Vous le savez, ça fait plus d'un mois. Un mois et une semaine ou une semaine et demie. Au moment où la vidéo sortira, un mois et une semaine et demie. Que j'ai passé l'examen du plateau, qui s'est d'ailleurs, vous le savez, super bien passé. Voilà, j'ai eu mon plateau. Et là vous dites, mais du coup t'as ton super lourd ou pas? Bah non, parce que j'ai toujours pas de date d'examen pour la conduite. Vous trouvez ça normal? Bien sûr que non, évidemment. Mais voilà, c'est les choses de la vie, c'est incroyable. Ah, j'aurais dû rester à gauche, ok, très bien, original. Voilà, donc ça fait, alors dites-vous que ça fait 2 mois que j'ai fini la formation, enfin plus de 2 mois. J'avais attendu 1 mois pour pouvoir faire le plateau. Et maintenant, ça fait 1 mois que j'ai fait le plateau. Et donc, ça fait donc, ouais, 2 mois que j'attends au total. Voilà.
C'est génial. Mais bon, c'est pas grave. J'espère juste ne pas perdre la main pour l'examen. C'est pour ça d'ailleurs que c'est cool de pouvoir un petit peu jouer à Euro Truck. C'est quand même vachement cool. Donc voilà, ça me permet d'alterner entre porteur et semi, donc c'est plutôt cool. Et voilà, de toute façon je vous tiendrai évidemment au courant hein, de la suite des avancées, ceux que ça intéresse. Mais voilà, il n'y a pas de raison que j'ai pas le permis super lourd, puisque de toute façon le plus dur est derrière moi. Là il faut juste attendre, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Voili voilou. Ceci étant dit, ceci étant fait, hop, on en profite. Voilà, évidemment, je roule évidemment pour la TLF, hein, je le rappelle, les transports L7C Family, donc dysfonctionnement du moteur. Alors, là on sent qu'il y a des restes du convoi, hein, non pas qu'on a fait des bêtises avec les autres, mais c'est vrai que le camion a un petit peu du mal là, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais en tout cas ça fait plaisir, puis c'est toujours agréable en vrai de vrai, c'est quand même vachement détente de jouer à Euro Truck de temps en temps comme ça. Ça, c'est pas le même contexte, tu vois. Avant, je jouais à Euro Truck, je roulais à Euro Truck, je ne faisais que ça, tu vois. Mais là, c'est différent. Et du coup, je sais pas, c'est vraiment détente, c'est super chill. Ça fait trop du bien. Enfin, pour moi, ça change énormément de choses. Puis ne pas être secoué, ne pas se péter le dos et tout. Enfin, c'est trop cool, quoi. Trop cool. Bon, même si ça fait bizarre d'avoir un petit volant et tout, ça n'a rien à voir. Genre, tu tournes à peine le volant et ça part, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Que voulez-vous ? Hop ! On va se chercher la remorque. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Par contre, je suis en train de perdre de l'adhérence. C'est vrai que tracteur solo, faut faire gaffe quand même. Je roule un peu comme un foufou. Oh, vous avez entendu le passement de vitesse là? Ouais, j'ai la boîte là, elle craque. My god. Mais ouais, du coup, ouais, je sais pas à quoi ressemble la remorque de la Saint-Va des cadeaux de la Saint-Valentin. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire voilà, si vous avez un Valentin ou une Valentine et ce que vous avez prévu de lui offrir aujourd'hui, du coup, pour ce jour de la Saint-Valentin. Ça se trouve, vous regardez cette vidéo à deux. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur des cadeaux évidemment à faire. Mais en tout cas, gros big up. Et pour ceux qui se demandaient ce que je comptais offrir à ma Valentine, bah en fait, la vanne c'est que je n'en ai pas. Du coup, bah, c'est ciao, tout simplement. Voilà. Et ça, évidemment, il y en a qui attendaient cette vanne. Ça régale. Allez, on arrive. C'est bien là que je dois aller, tout à fait. Ok. Ah bah on a déjà livré ici en plus justement. Bah c'est là qu'on avait livré Ah oui bah du coup ce sera dans la Retenez bien cet endroit. Dans la vidéo qui sort après-demain. Enfin après-demain du coup samedi. Dans la vidéo qui sort. Eh ben on livre ici je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah c'est marrant, ça fait des faux raccords. Hop, bonjour. Bon, on va essayer de bien rouler. Du coup, c'est ça ce qui est cool parce que bah du coup dans la vidéo qui sort samedi, je roule un peu comme un foufou évidemment. Enfin, même dans la précédente vidéo, la vidéo qu'on voit, je m'amuse. Hein, et on est là pour s'amuser. Hein. Eh mais il y a une cinématique ici. J'avais même pas fait gaffe. Oh, attendez. Attendez, on va quand même se mater la petite cinématique là. Attends, on va d'abord prendre la remorque. J'ai pas envie qu'elle me passe sous le nez. Donc, ouais, mais attends, mais. C'est qu'il y a de la circulation là-dedans. Incroyable. Incroyable. Du coup, ça va être un conteneur qu'on va prendre là. Oh! Attends. Pourquoi je pourrais pas aller là directement? Qu'est-ce qui me fait faire le GPS là? Bah oui, regardez ma remorque, elle est là. Incroyable. Ah! Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Ah, on pourrait tenter un truc, mais on va peut-être éviter. Hein. On va peut-être éviter. D'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Hein. C'est la première fois que je viens dans un truc de conteneur, n'est-ce pas? Ça, dans la vraie vie, tu fais pas, je crois. Hein. Sinon, tu te fais engueuler. Hein. C'est beau, on se croirait dans les... on se croirait pas à Rio de Janeiro, là? On se croirait pas au Brésil, avec les maisons sur les collines comme ça, là? Ça fait un peu favela? Non, je sais pas du tout. Je suis pas sur la route là, je me suis trompé. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, regardez, il est 6h là. Enfin, il est 7h du coup, il y a personne. Tout le monde s'en fout. Impeccable. Il faut que j'aille ici. Ah bah j'aurais quand même pu faire le tour là. Ah, j'y comprends plus rien. Ok. Ça passe ici, bien sûr, ça passe. Hop, il faut fermer les yeux. Impeccable. Oh, regardez cette belle remorque. Truck Love. Oh, c'est mignon. Moi, c'est mignon. Ok. Putain, ils aiment bien vivre avec le danger là, avec ce mur à côté là. Hop là. Et on est parti.
pour l'attelage. J'espère que le son du jeu est bon pour vous, parce que c'est, j'ai remarqué dans les convois, on n'entend pas trop le son du jeu, j'en suis désolé, j'essaierai de réparer ça pour les prochains. Du coup, pour la semaine d'après. Oula! Je suis pas bon! Oh, attendez, bougez pas. En vrai de vrai, là, il y a moyen que je sois bien là maintenant. Oh, j'ai juste à recorriger un petit peu. On va lever. Voilà. Et là, je vais juste un peu corriger, genre comme ça. Et hop, tout droit. Et là, normalement. Oh. Eh, s'il vous plaît, les gars, ça fait un mois et une semaine et demie que je n'ai pas fait ça dans la vraie vie. Je n'ai pas perdu la main, ça fait plaisir. Oh merde, j'ai pas mis le frein. Bon, on s'en fout. Incroyable. Et bien voilà, notre ensemble. Bien évidemment. Incroyable. Il est beau, hein, Truck Love. Et du coup, on est parti donc de Rijeka. On va, bon, on s'arrête quand même de l'autoroute, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est pour la petite vidéo événement de la Saint-Valentin. On va aller à Koper. On aura également une cinématique à voir. Également dans les conteneurs. Ce trajet est débile quand même. Pourquoi ne pas envoyer les bateaux directement? Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, on est y part. Ah. Bon, j'ai vraiment des trompes éclatées au sol. Hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Tout, 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 tout. Alors, c'est passé. C'est passé à gauche, mais voilà. Il faut que je me... Oh, oh là 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 là, je suis en porteur là, je suis en porteur. Ok. On se concentre, on est en semi là. On est en semi et on n'est pas en convoi, on va faire ça bien les gars. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Magnifique. Allez. Oh my god. Je sens qu'on va rioler le jour où je vais passer mon examen là, de la circulation, ça va être très très drôle. Surtout que tu commences vraiment à prendre des mauvaises habitudes au boulot, en vrai de vrai, c'est léger, mais merde. Oh non! La cinématique! Oh non, la cinématique! Oh non, moi je regardais la cinématique. Désolé les gars. De toute façon la vidéo elle va être courte donc autant en profiter. Voilà, moi je vais regarder la cinématique. Vous m'excuserez. Voilà. Ça se passe où? Ça se passe ici. Impeccable mon copain. Je vais me mettre tout de suite en position. Hop. Voilà, comme ça on sera bien. Ah, je suis passé pile au-dessus. Quel con. On dirait que je fais exprès de gratter mais du temps, mais c'est faux hein les gars. Hop, voilà. Ah, je vous montre que je manœuvre quand même. Voilà. Hop, hop, et hop, et hop, et hop. Voilà. Oh. Achievement, grand aventurier, vous le voyez pas, je suis à 11 sur 15. Voilà le port de Rijeka, donc avec les magnifiques conteneurs, le magnifique camion, le magnifique man de la L7C Family et donc tous ces magnifiques conteneurs bien évidemment, dont la moitié tombe dans l'océan au fin fond. Ceux qui ont suivi mon let's play Under the Waves, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir directement, ce petit let's play de 5 épisodes sur le jeu Under the Waves. Incroyable aventure les gars, sous l'océan et vous ne le regretterez pas. Mais voilà les conteneurs, donc une... C'est assez terrible, mais c'est tellement sympa aussi dans le transport de faire du conteneur. Mais c'est terrible quand même pour l'écologie et l'éco, tout ça quoi. Hein. Voilà, donc magnifique, avec des petits tags love, hein, vive l'amour bien évidemment. C'est la Saint-Valentin, ça tombe relativement bien. Voilà, c'est absolument fait exprès d'ailleurs, ce tag n'est que là aujourd'hui et ne sera plus là les prochaines fois bien évidemment. Voilà. Ça valait vraiment le coup de faire toute cette manœuvre pour voir ces, ce port avec les grues, tac tac. Je me souviens quand j'étais en stage et tout, on avait aussi des trucs comme ça, mais c'était pas des conteneurs, c'était des trucs de fer, là, la ferraille. Excellent. Dans le bruit des mouettes. Ah, on voit, c'est l'heure du... Eh, les gars, il est 8h hein, par contre. Hein. Il est 8h, on commence à bosser.
ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Parce que là, il y en a un, il s'amuse avec sa grue. Maintenant, à vous de bosser aussi. Hop, ils sont en train de ramener... Quoi ? Il est en train de tirer un paquebot, là, le petit bateau, là ? Tu rigoles. Il fait quoi, en vrai, le petit bateau avec le gros cargo, là ? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là, ce câble... Mais dis pas qu'il est en train de le tirer, c'est pas possible. Alors là, bonne question. Le doute m'habite. Si jamais vous avez une idée de ce qu'ils font, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis curieux d'apprendre, évidemment. Allez, c'est parti. On se barre, enfin. Et on va se faire cette livraison, donc, des cadeaux de la Saint-Valentin, Valentine Gifts, 23 tonnes. Notre tracteur doit faire 7 tonnes à peu près. Ce qui nous fait 30 tonnes de poids réel. Je sais plus du tout. Allez. On est parti. Ah si, c'est possible, 30 tonnes de poids réel, c'est inférieur au PTRA, c'est bon, c'est impeccable. Le PTRA qui peut être par exemple, je sais pas, entre 40 et 44 tonnes. On ne sait pas, il n'y a pas la plaque de tare. D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit, j'avais dit qu'il n'y avait pas de plaque de tare. Mais en fait, il y en a une. Bon là, on la voit pas avec la remorque. Attendez, je voulais quand même vous montrer parce que j'avais dit, il fut un temps qu'il n'y avait pas de plaque de tare, mais c'est faux, regardez. On se fout de ma gueule ou quoi? Là! Mais non, pas du tout, c'est les lumières. C'est quoi cette merde? Je vous jure, il y avait une plaque de tare. Là! Là, il y a la plaque de tare pour la remorque. Mais là, il y en avait une pour le tracteur, non? Bon, bah, j'ai rien dit. Je vous jure que j'avais cru voir l'autre jour en plus une plaque. Bon, bref, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, sur ce beau lever de soleil, derrière les collines, derrière les maisons, on se barre. 3 petites heures de route sur l'autoroute, ça régale. A noter qu'on a enlevé le mode brutal trafic, je voulais vous le dire. Donc on n'a plus aucun mode trafic, genre real traffic time ou brutal trafic, on les a enlevés pour les convois parce que c'était tellement la galère. Et même en solo, donc là voilà, je suis avec les mêmes configurations que le convoi. Hein, donc il y aura du trafic, mais ils ne seront pas aussi teubés normalement. Et ça, ça fait plaisir. Oh oui, on est lourd là, on est lourd. Là, on doit être rempli de beaux cadeaux. De belles roses de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Des chocolats, peut-être? Des plaques de cuisson? Qui sait? Bah oui, hein, il y a des hommes cuisiniers. Hein. Et ouais, les gars. Pas comme moi. Ah, il a du mal. Bon, en plus, là, le camion, sachant qu'il est un petit peu en PLS, c'est vrai que c'est compliqué cadeau, là. Hein. Compliqué cadeau. Obova, 240 mètres. Obova. Ça, c'est quand t'insultes les Parisiens, tu leur dirais Bobova. Elle était un Bobova. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. C'est en fait l'étymologie du mot de ce pont, bien évidemment. Obova. Waouh. Bon, on a vu plusieurs fois. En vrai, hein, les West Balkans, c'est quand même magnifique. C'est pas l'endroit le plus joli, hein, clairement. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, ça me fait toujours le même truc. Je me dis, waouh. Ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver, c'est vraiment un des meilleurs DLC. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, je vous le dis. Alors, attends, qu'est-ce que je dois faire? J'imagine que je dois aller à gauche. Oh. Draga 3. Très bien. C'est une référence à Trade Gaieté. Trade Gaieté. C'est ça? Je ne sais plus. Oh là, là tu vois par exemple. Alors on a eu chaud au kiki là. Ah là on a eu chaud au kiki hein, vous avez vu hein. Ah là j'ai fait du. Bon comme on dit du deux roues, mais j'ai fait du. Oh là là. Tu vois ça c'est un problème quand même. Doucement mon pote. On conduit pas une voiture là. Ok. Je dois suivre quoi comme panneau là? On va où? On va à Copper. On n'a pas les. On n'a pas Copper sur les panneaux encore. Ça doit être pas très connu Copper. Du coup, ouais, exceptionnellement, ceux qui attendaient évidemment la suite de notre incroyable aventure en Afrique.
Road to Africa, bah du coup aujourd'hui ça aurait dû sortir aujourd'hui, mais donc voilà, ce sera pour la semaine d'après, mais c'est pas bien grave les amis. J'espère aussi que vous kiffez Road to Africa. Voilà, c'est les petites occasions où je fais des vidéos encore solo sur Euro Truck, parce que c'est quand même assez sympa, c'est très dépaysant, ça change totalement. Alors, incroyable. Et là, oh là là, arrête-toi, c'est l'heure du screenshot. C'est l'heure du screenshot de la vidéo, messieurs dames. Attendez, avance encore un peu en fait. Très dangereux hein, ce que je suis en train de faire, bien évidemment, à ne pas reproduire. Voilà, regardez-moi ça. Oh lolo. Eh, je croyais que c'était de l'eau, mais en fait c'est un mur. Ah, par contre ça c'est dommage. Pourquoi ça fait ça, les amis? Regardez, là c'est, ça charge. Et là ça charge pas, pourtant j'ai mes paramètres, tout est au maximum. Il faut savoir, hein, tout est au maximum. C'est terrible. Bon écoutez, je vais faire la miniature comme ça, tac. Je mettrai le flou manuellement. Voilà. Hop, on va pas se casser la tête. Ça me paraît pas trop mal. Mais regardez, c'est quoi ce bug? What? Il y a des buissons qui volent et tout. Château de Strast. Ah, oh, waouh. Incroyable, j'ai déjà pris en photo de toute façon. Mais regardez, ça vole. Incroyable. Bon, allez. Fuck. C'est limité 70. J'avais pas vu. Il y avait pas de panneau qui disait que c'était 70. Il y a pas de panneau. Comment je peux savoir? Eh ben, si je ne sais pas, je continue de rouler comme ça et puis c'est tout. Hein. Tant pis. Hein. Tant pis. S'il y a pas de panneau aussi, moi j'y pue rien. Hein. Allez. Bon attends, parce que là on rattrape quand même des voitures et je vais pas les doubler, parce que là j'ai vu le panneau interdiction de doubler avant. Ah oui, 70 en effet là, ouais, eh, tout à fait, tout à fait. Maintenant j'ai vu 70, donc je vais rouler à 70, pas de problème. Mais avant j'ai pas vu le panneau de 70, voilà. Allez, c'est reparti pour un péage, on se croirait en France. Je vais quand même me prendre le luxe de passer par l'autopéage. Toujours regarder qu'il n'y ait pas un petit foufou qui dépasse par la droite. Et voilà, toc. Roupa. On a toujours pas la... notre destination Copper. Alors par contre je dois avouer que cet événement, alors c'est que 14 livraisons, d'ailleurs pourquoi 14 évidemment, parce que 14 février, c'est ça hein, 14 février, c'est ça hein, la Saint-Valentin c'est le 14 février, tout à fait hein. Et ben, par contre je trouve que l'événement, même s'il n'y a pas beaucoup de livraisons à faire, mais l'événement est quand même vachement court, faut faire ça quand même assez rapidement. Moi dans mon cas j'ai, c'est vrai que ouais, tu peux avoir le temps de le faire, mais quand t'as pas le temps de le faire c'est compliqué hein. J'en suis qu'à ma première livraison donc attention tout de même hein. Mais ouais, c'est quand même assez court. Faut le faire ça en une semaine, je crois. On a une semaine pour le faire au total. Hein, parce que ça se finit là, à la fin de semaine, au moment où la vidéo sort. Hein. Donc t'as, en fait, t'as une semaine et demie pour le faire au final. Oui, si en vrai c'est jouable, mais dans mon cas, non. Mais bon, on va essayer de. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Parce que la Saint-Valentin, c'est important. Hein. C'est pas du tout commercial. Hein. Et si je peux donner un meilleur conseil, investissez tout à la Saint-Valentin. Hein. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah, lui, il s'est trompé lui. Bon, ça c'est chaud. Alors, tu vois, ça c'est pas irréaliste. Hein, parce que ça, le nombre de. J'en ai vu, hein, moi aussi. Hein. C'est incroyable. Hein. Ou les mecs qui sortent au dernier moment. Mais en camion, je parle. Hein, je... Bon, parce qu'en voiture, c'est normal. Et tout le monde est fou en voiture. Mais t'as des camions, des fois, forcément, ils connaissent pas, ils sont perdus. Et puis, des fois, bon, c'est vrai qu'en Alsace, nos autoroutes. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ils sortent au dernier moment en mode merde, je devais sortir. Tu vas à droite? Tu confirmes? Ah bah de toute façon j'ai pas le choix d'aller à droite non plus, je me suis fait arnaquer. Putain, attention parce que lui, faut jamais trop coller au cul ces gens là. Hein. Enfin, parce qu'ils transportent des matières inflammables. C'est dans ce sens là. Qu'est-ce que c'est que... Je suis déjà passé par là ou pas? Non, je suis jamais passé par là, on est d'accord, hein, je découvre, hein, c'est nouveau pour moi là. Hein. Ah si, je suis déjà passé par là, par contre à partir de là ce sera nouveau ici là. Hein. Juste après, ok. Impeccable.
Et là, c'est la Slovénie. République de la Slovénie. République slovénicaine. C'est beau, hein, ça sonne bien, je trouve. Et oui, toujours dans l'Union Européenne. Notre magnifique Europe. Bonjour. Putain, lui, j'ai hâte de le doubler quand même. Il me fait peur. Est-ce que je peux passer à gauche, tu penses? Oh, ça change rien, il s'arrête pas. Hop là, j'ai pas le choix de monter sur l'herbe parce que j'ai pas pris assez large. Oh non, j'aurais dû passer à gauche. Je me suis fait arnaquer. Je serais passé à gauche et je serais passé devant lui. Dommage! Rhenus Logistics. Mais là, on vient de passer la frontière, donc ouais, on est en Slovénie maintenant. Allez, on y va! On avance! Allez! Allez, allez, on y va! On va éviter de rester bloqué, hein. Allez! Parce que si on laisse passer tout le monde, bah on est mort. Ah ouais, non, mais là, ah, c'est bon, il va pouvoir y aller. Ouh, magnifique. Regardez mon beau camion. Regardez comme il est beau, le manin. Petits appels de phare, là. Ça régale. Ça décapite, ça décapote. Incroyable. Bah tu vois, on fait pas que de l'autoroute, on fait aussi des petites routes comme ça. Entre les rochers. Bon, on a certainement pris cette route durant notre aventure, durant notre let's play, mais... Bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. Il est 16h, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était très sympa ce petit village de Kozina. C'était relativement cosy. J'ai déjà fait cette vanne, donc on est déjà passé par là, tout à fait. Coopère tout droit, on y va, on coopère bien évidemment. C'est la même coopération par ici. Ça régale. Oh, je suis... Là j'ai eu chaud parce que vous savez, là j'ai failli me retourner, j'ai eu énormément de chance. Ah bon, tu penses? Dans la vraie vie tu te retournes. Par contre... Là, si je m'étais retourné, ça aurait foutu en l'air toute la mission World of Truck là. Parce que quand tu te fais remorquer ou quoi, ça annule la mission. Parce que c'est une mission World of Truck, ça annule quoi. Et tu peux pas te téléporter non plus pour te remettre. Tu peux que faire ça dans les missions normales. Les missions World of Truck, faut être carré. Et là, j'ai du mal à être carré, je vais pas te mentir, mon copain. C'est pas facile. Allez, à partir d'ici, moi je découvre perso. Je suis jamais passé par là maintenant, c'est cool. On va faire attention. Et par contre, ouais, comment ça se fait que j'ai perdu si fort le... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je comprends, hein, j'ai roulé comme un con. Mais j'ai jamais eu ce problème en vrai sur Euro Truck. Putain, c'est ouf. Comment tu t'habitues à une façon de conduire. C'est dingue. Complètement dingue. Complètement dingue. J'espère que vous avez kiffé ce moment. Ah, il y a des radars, faut faire attention. De toute façon, on s'en fout, c'est 90 pour moi, c'est bon. Il y a quelque chose que je voulais voir super important parce que j'ai de nouveau eu un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, j'aurai la preuve sous les yeux dans mon bouquin. Toujours garder, moi je garde toujours mes bouquins de ECF et tout, là où j'ai passé mes permis. Je garde toujours ces bouquins, c'est trop important. Mais j'ai un doute de nouveau, on est d'accord que. Sur les voies rapides, quand la limitation est à 110 km/h pour les voitures, nous en camion c'est 80 km/h. Ça, on est d'accord. Et venez pas me dire que c'est 90, même si beaucoup le font, c'est 80. Sur les autoroutes, quand c'est 130 km/h, alors là, on peut conduire à 90. Mais par contre, là où j'ai un doute, c'est si on est sur une autoroute et que. La limitation est à 90, pour quelconque raison, ou 110. Alors, il peut y avoir un panneau en disant que les poids lourds sont à 80, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de panneau qui dit ça, du coup, les poids lourds peuvent quand même rouler à 90 ou pas? Ça, je ne sais plus. J'ai un doute. Et aussi... bah non, il n'y a pas de voie rapide à 130, ça n'existe pas, ça.
Voilà, c'était la petite question du jour. Allez, ça régale. Bon, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. C'est les petites questions à la con. Mais voilà. Alors là, il faut que j'aille à droite, c'est ça? Alors attendez, parce que là, vas-y, passe. Toi aussi, la voiture, si tu veux passer. Ah non, mais je dois aller à droite, moi, vraiment. Ok. Impeccable. Ah, mais j'avais la fenêtre ouverte à droite, j'avais pas vu. C'est pour ça qu'il y a des courants d'air. Le mec est un peu trop RP. Allez, on arrive dans la zone du conteneur. Hop. Conteneur port. Ouais, essayer de pas se retourner. Hein. Ah, mais il y a pas d'océan ici, il y a pas la mer là, non? Ah si, il y a un fleuve. C'est ça ce que je comprends pas. Copère découverte. Pourquoi nous avoir emmené faire cette livraison alors qu'ils auraient pu amener directement le bateau là? À moins qu'il y a pas d'eau en effet, je sais pas. Faut voir. Putain, j'ai un moustache qui me gratte le nez là, horrible. Horrible. Oh, c'est beau, il y a des yachts et tout. Incredible. Ouais. Adieu. Pourquoi il s'arrête en plein milieu du giratoire lui? Oh lolo. Oh mon. Voilà, c'est vrai que dans la vraie vie tu vas pas plus vite que ça en plus. Voilà, c'est pour ça que je me retourne depuis tout à l'heure. Je vais trop vite. En fait sur le jeu t'as pas la notion de la vitesse, c'est pas pareil qu'en vrai quoi. T'as l'impression d'être trop lent sur le jeu. Eh non? Allez, impeccable. Impeccable. Ouais, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas la mer ici. Donc je comprends finalement pourquoi on nous envoie balader ce conteneur ici. Luca Porto. Port. Le port. On va au port de Luca. On l'embrasse. Il y a une cinématique à voir à gauche. Comment je fais pour aller la voir? Ah, et puis merde, va se faire foutre. Ce sera pour la prochaine vidéo, prochaine fois en convoi. Oh, regardez. Magnifique ça. Très original ce giratoire. Port of Copper. Merde, la barrière. Elles sont fines et discrètes quand même. C'est... Oh, c'était juste, hein. C'était limite. Ah, dysfonctionnement du moteur, tu m'étonnes. Avec tout ce que je lui ai mis dans la figure. Allez, ça part. Ça part. Et d'ailleurs, du coup, ça fait longtemps, faut qu'on fasse un point sur la gestion du budget aussi. Parce que du coup, bah, on roule, on rigole en convoi, etc. Mais je rappelle que ce profil, à la base, ma carrière est sérieuse, tu vois, avec les prêts à la banque, les employés, etc. On va voir niveau gestion où c'est que ça en est. Et puis on va pouvoir s'en arrêter là, bien évidemment. J'arrive beaucoup trop fort. Hein. N'importe quoi. J'ai pas de manœuvre à faire en plus. Incroyable. J'ai juste à me mettre là au numéro 6. Impec. Et voilà le travail d'artiste. Impeccable. Ça DTL. Et ça régale. 278 km en 35 minutes, 125 litres de carburant consommé. C'est le 80e contrat, je ne sais pas si ça se dit. 80e en tout cas contrat de World of Truck. Comme quoi j'en fais pas beaucoup. Et donc du coup ça nous comptabilise donc 1 sur 14 donc pour l'événement Howling Hearts. Et bien évidemment, et ouais ça se finit le 18. Donc ouais c'est quand même relativement court quoi. Ok, du coup j'ai 124 147 euros plutôt. Et je suis perdu, allô, banque. Je suis pas du tout prêt de tout rembourser. Mais en tout cas, ah je pourrais même rembourser déjà tout ça. Mais bon, ça vaut pas le coup. J'ai 8000 euros à rembourser par jour. On va dire 9000 euros à rembourser par jour. Et franchement, quand tu vois gestion chauffeur, donc 8000 à rembourser chaque jour. Rien que elle me fait 4000. On arrondit toujours un minimum. Elle me fait 4000 par jour, elle. Lui, il me fait 3000. 4000. Voilà, c'est bon, on a les 8000, tu vois. Il y a 2000, 3000. Pff, franchement, c'est carré. Hein. Ouais, elle fait pas grand chose, Gertruda. Hein.
Est-ce qu'on peut classer par euros par jour? Voilà. Voilà. Eux, c'est les meilleurs, eux, c'est les moins bons. Ojan, par contre, lui, ça fait depuis longtemps que je l'ai embauché et il fait pas grand-chose. Hein. Lui, il fait pas grand-chose. Et pourtant, il a tellement de. Bon, ils sont tous bien équilibrés, mais. Fais gaffe à toi. Bon, après, il a un Iveco, le pauvre. C'est pour ça. Mais fais gaffe à toi, hein. Je vais te virer, mec. Ah, eux, ça régale. Hein. Eux, ça régale. Donc, ouais, bref, on est plutôt pas mal. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Si c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao, tout le monde!